Donc, c'est bon? Bon ben, bonjour à tous. Donc, merci à tous d'être là pour cette fin d'après-midi et ce premier week-end ensoleillé sur Paris, j'ai appris. Moi, je viens de Marseille. Donc, je travaille dans un laboratoire de mécanique et de physique qui s'appelle l'IUSTI. Et dans cette conférence, je vais vous parler de plantes. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là depuis ce matin. Mais donc, depuis ce matin, on parle de matériaux, comment ils se déforment, comment ils coulent, comment ils cassent. Et là, on va parler de système vivant, les plantes. Et on va voir que les plantes aussi, en fait, elles peuvent se déformer. Alors, elles ne coulent pas, mais elles peuvent casser. Et en fait, les plantes, ce n'est pas des organismes statiques, c'est des organismes dynamiques. Même si les plantes ne peuvent pas se déplacer comme des animaux, on va voir que les plantes peuvent produire des mouvements. Et la question qu'on va se poser, c'est comment font-elles? C'est-à-dire comment elles utilisent la physique et la mécanique pour produire des mouvements. Alors, les plantes n'arrêtent pas de bouger. Ce n'est pas forcément évident au premier coup d'œil, mais là, il y a deux images. Et la première, en fait, c'est une photo assez spectaculaire qui est prise dans une forêt en Pologne. Et vous voyez tous ces troncs d'arbres qui sont tordus. Et en fait, un arbre, évidemment, ça croît, donc ça bouge sur des échelles de temps très longues. Et ici, alors, c'est assez énigmatique, l'origine, pourquoi cette forêt est comme ça, mais les gens pensent que c'est les bûcherons qui, au départ, ont incliné les jeunes troncs, et ensuite, on laissait la croissance faire son office. Et quelques années plus tard, voilà la forme des troncs qu'on obtient. Et en fait, pourquoi il y a cette forme? C'est en fait que les plantes, elles sentent la gravité. Et donc, une plante qu'on incline, elle va essayer de se redresser pour redevenir droite. Et c'est important pour elle, parce que sinon, elle tomberait sous son propre poids. Alors, pourquoi ils ont fait ça, ces bûcherons? C'est pas très bien compris. Les gens pensent que c'est pour produire des planches déjà courbées pour faire des coques de bateaux, par exemple. En tout cas, là, c'est un très bel exemple de mouvement des plantes qui s'opère à une très grande échelle et qui est très spectaculaire parce qu'on le voit vraiment. Donc là, on a l'échelle typique, c'est de l'ordre du mètre à la dizaine de mètres. Donc ça, c'est à un extrême. Mais maintenant, les plantes, elles bougent sur une gamme d'échelle très, très grande. Donc là, on a la gamme d'échelle du mètre. Mais maintenant, si on regarde à la surface d'une feuille et qu'on prend un microscope, les plantes, la surface des feuilles des plantes sont parsemées de petites bouches. Vous voyez ces petites bouches qui sont constituées de deux cellules un petit peu en forme de cacahuète, comme ça. Et ces petites bouches, c'est ce qu'on appelle les stomates. Et ces stomates, c'est ce qui permet aux plantes d'échanger tous les gaz avec l'atmosphère. Donc ça peut être l'oxygène, le dioxyde de carbone, ça peut être la vapeur d'eau. Et donc ça joue un rôle crucial, hein, puisque c'est les plantes qui fournissent, en tout cas les plantes terrestres ici qui possèdent les stomates, fournissent une partie de notre oxygène, absorbent le dioxyde de carbone et puis régulent leur transpiration par la fermeture et l'ouverture de ces petites bouches. Et là, si vous voyez l'échelle, hein, ici il y a marqué 50 micromètres, donc un micromètre c'est un millième de millimètre, donc c'est tout petit, mais il y a des mouvements à ces petites échelles-là et aux grandes échelles. Alors, comme je l'ai dit au départ, ces mouvements, la plupart du temps, ils sont lents. Alors ils sont lents, et on sait bien, si on regarde un tronc d'arbre coupé comme ça, que chaque cerne ici correspond à une année, c'est-à-dire que pour progresser de cette distance jusqu'à celle-ci, il a fallu attendre un an. Donc les mouvements des plantes, en général, ça s'opère sur des grandes échelles de temps. Et du coup, si on veut les voir, la technique habituelle que vous avez sans doute vue souvent, c'est qu'on prend des photos, ça peut être toutes les heures, tous les jours, ça peut être toutes les 10 minutes, et puis on fait un film en accéléré de ça, et comme ça, on observe, on peut se rendre compte de toute la diversité, de la richesse des mouvements des plantes. Et là, c'est un film qui a démarré ici, qui est en boucle. Et en fait, c'est des jeunes pousses de tournesol. Et c'est un film où on prend une image toutes les 20 minutes. Et on voit qu'en fait, ces pousses, elles ne poussent pas de droite, mais elles n'arrêtent pas de gigoter, de tourner, d'onduler. Alors ça, c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement de circumnutation. Ce n'est pas du tout le mouvement des feuilles de tournesol qui suivent le soleil qui a lieu quand elles sont matures. Là, c'est un mouvement qui, en fait, est toujours pas très bien compris. On ne comprend pas ni l'utilité, ni l'origine encore bien clairement de ce mouvement. Mais on voit que c'est un mouvement, pour arriver à l'observer, ben, il faut prendre une image toutes les 20 minutes et ensuite de les passer en accéléré. Alors, la plupart des mouvements des plantes sont lents, mais malgré tout, il y a certaines plantes qui ont des mouvements rapides. Assez rapides, en tout cas, pour pouvoir le voir à l'œil nu. Alors ça, c'est un exemple aussi que vous connaissez peut-être. C'est un Mimosa pudica, donc c'est une plante sensitive. Qu'on trouve essentiellement plutôt dans les régions humides, donc par exemple en Asie du Sud-Est, hein, mais on peut trouver dans des serres. Et là, ce qui va se passer dans ce film que j'ai trouvé sur Internet, c'est qu'une personne va approcher un briquet de cette plante, et la plante va réagir à ce stress thermique, en fait. Et là, par contre, le film, contrairement au précédent que je vous ai montré, le film que je vous montre ici, il est en temps réel. Donc c'est la même vitesse qu'on peut le voir à l'œil nu.
Donc je vais lancer le film. Donc ça, c'est un film en temps réel. Et c'est assez impressionnant parce qu'on voit d'une part que la plante a senti le stress qu'on lui applique, ici un stress thermique, et qu'ensuite elle propage cette information tout le long de ses branches, et qu'elle réagit à cette information-là en, ici en particulier, repliant rapidement ses petites feuilles. Donc ça, l'ensemble du mouvement a pris quelques secondes, une dizaine de secondes, donc on voit que là c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide que tous les mouvements que j'ai présentés précédemment. Alors, il y a certaines plantes qui en fait ont des mouvements encore plus rapides, tellement rapides qu'il a fallu que les caméras rapides apparaissent, enfin des caméras qui sont capables de suivre des mouvements très très rapides et de les décomposer, pour qu'on puisse se rendre compte de ces mouvements, parce qu'à l'œil nu, on ne les voit même pas. Et y a, alors le film que j'ai montré après, c'est un extrait d'un documentaire de la BBC sur les plantes. Et là, cette fois-ci, tous les films sont faits à la caméra rapide. Donc c'est l'inverse du premier film que j'ai montré. C'est-à-dire qu'en fait, entre deux images, il y avait par exemple un dixième de seconde ou un millième de seconde, et cette fois, on ralentit le film pour qu'on puisse voir quelque chose. Alors, je vais vous le laisser le regarder, il dure 30 secondes, je pense. Donc là, vous voyez des plantes qui expulsent leurs graines. Donc ça, c'est le concombre d'âne. Hein. Alors, on voit que l'expulsion ici a une vitesse prodigieuse, hein. Ça peut être plusieurs mètres par seconde, jusqu'à 10 mètres par seconde, de ces graines et de ce mélange d'eau qui était rempli dans une sorte de poche. Et ça, évidemment, c'est très utile pour la plante, pour sa reproduction, puisque comme ça, elle peut répartir les graines assez loin. Donc là, voilà typiquement le vol libre de ce genre de graines. Donc voilà, donc là typiquement des mouvements de plantes qui sont tellement rapides qu'il faut utiliser des caméras rapides pour qu'on puisse le voir à l'œil nu. Donc si maintenant on dresse un petit tableau de ces mouvements et qu'on regarde un petit peu l'ensemble des mouvements des plantes, quelles sont les échelles de temps que peuvent avoir ces mouvements, on se rend compte que la gamme d'échelles de temps que peuvent avoir les mouvements des plantes est absolument incroyable. Donc là le graphe est peut-être un petit peu difficile à lire, alors je vais vous dire ce qu'on voit ici en ordonnée, c'est le temps que met le mouvement. Et c'est un graphe un peu particulier parce que chaque encoche, ici, quand on passe de l'une à l'autre, on multiplie par 10 le temps. D'accord ? Et pour vous donner un point de repère, ici j'ai mis un temps d'une seconde. Donc ici c'est 10 secondes, 100 secondes, donc à peu près une minute. Ensuite 1000 secondes, quelques milliers de secondes, c'est l'heure. Ensuite 10 000 secondes, 100 000 secondes, là on passe plutôt entre 10 000 et 100 000 à la journée. Et puis ensuite 1 million de secondes, 10 millions de secondes, 100 millions de secondes, et là on passe plutôt à l'année. D'accord ? Et puis je peux descendre un dixième de seconde, un centième de seconde, un millième de seconde, un dix millième de seconde, un cent millième de seconde. Et on voit en fait qu'on a combien de cases ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On varie ici de 13 ordres de grandeur les échelles de temps typiques qu'on peut rencontrer dans les mouvements des plantes. 13 ordres de grandeur, donc ça fait, si je ne me trompe pas, ça va faire 10 000 milliards. D'accord, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique, tout à fait. Donc on a un facteur 10 000 milliards entre ici, le mouvement tout en haut là, qui est typiquement la croissance d'un pin, donc qui prend quelques années, avec tout en bas ici, des mouvements d'éjection de spores ou de graines à des petites échelles, qui là durent un cent millième de seconde. Donc c'est cette gamme de mouvements des plantes est assez prodigieuse. Et puis en abscisse, donc ici, ce que j'ai représenté, c'est la taille typique sur laquelle a lieu le mouvement, donc la taille typique de l'objet qui bouge. Et là aussi, c'est une échelle logarithmique. Donc pareil, ici, j'ai mis un repère, c'est 1 cm. Donc là, vous avez 10 cm, 1 mètre. Donc vous voyez typiquement le tronc d'un arbre. 1 cm, 1 mm, 0,1 mm, 1 centième de millimètre, 1 millième de millimètre, c'est le micron. Et on voit que pareil, on peut trouver des mouvements des plantes comme ça qui parcourent toutes ces échelles de taille. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors évidemment, tous ces mouvements-là, que je vous ai montré dans les films qui sont représentés là, ont des fonctions très différentes, hein, biologiques. Il y en a qui servent à la reproduction, il y en a qui servent à la croissance, il y en a qui servent à des réponses à des stress. Ils ont des fonctionnements internes du point de vue des processus physiologiques qui sont en jeu, qui sont très différents. Mais la question, en fait, moi, qui nous intéresse en tout cas en tant que physicien, c'est quels sont les mécanismes physiques ou mécaniques qu'utilisent ces plantes pour produire ces mouvements, sachant que les plantes, ben, c'est des organismes qui n'ont pas de muscles. Donc comment des organismes qui n'ont pas de muscles arrivent comme ça à parcourir une telle gamme d'échelles de temps, et c'est quoi derrière les contraintes physiques qu'il y a? Alors pour ça, il faut juste savoir une chose,
c'est qu'en fait, une cellule végétale, par rapport à une cellule animale, une des grosses différences, il y en a plusieurs, hein, elle peut produire de la photosynthèse en particulier, ça c'est une différence fondamentale, mais d'un point de vue mécanique, une cellule végétale, eh ben, elle est entourée d'une paroi de cellulose, là, que j'ai représentée en vert clair, là. Et aussi en vert foncé d'ailleurs, c'est tout ce qui est en vert. Elle a une paroi qui est formée de cellulose et qui est rigide. Et cette paroi, elle entoure la cellule. Et en fait, cette paroi, comme elle est rigide par rapport à nos cellules animales qui n'ont pas cette paroi, en fait, cette cellule végétale, elle va pouvoir emmagasiner des pressions gigantesques, des pressions d'eau. Alors, qu'est-ce qui lui permet d'emmagasiner ces pressions? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle le phénomène d'osmose. Simplement qu'à l'intérieur de la cellule, il y a des sels minéraux, il y a des sucres. Et ces sels minéraux et ces sucres, ils ont tendance à aspirer l'eau. D'accord? Donc, ils vont aspirer l'eau et l'eau va rentrer à l'intérieur de la cellule jusqu'à ce que la tension dans la paroi est tellement grande que le phénomène s'arrête et on est à l'équilibre. Et donc en fait, une cellule végétale, on peut voir ça un peu comme un ballon gonflé. Et alors si on regarde un peu les ordres de grandeur de ces pressions, typiquement dans une cellule végétale, on a des pressions qui vont de 5 bars à 40 bars. Alors 5 bars, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 5 fois la pression atmosphérique. D'accord? Donc pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, dans un pneu d'une auto, quoi, la pression, c'est 2 bars typiquement. La pression qu'on gonfle quand on fait sa pression des pneus. La pression artérielle qu'on a dans notre corps, c'est 0,2 bar. Ici, on est bien plus grand, d'accord ? On a des pressions énormes. Et ça, en fait, cette pression, ça va être un peu le moteur, la pression d'eau. Les mouvements d'eau, ça va être le moteur, le muscle des plantes. Et donc les plantes, en fait, leur muscle, ça va être l'eau et la cellulose, essentiellement. Donc c'est ce couplage entre les matériaux, la cellulose, et un liquide, l'eau, qui va générer toute cette capacité des plantes à produire des mouvements. Donc c'est vraiment ce qui remplace les muscles. Alors, ensuite, on va faire quelques expériences. Et en particulier, c'est pas évident de faire des expériences en vous amenant plein de plantes comme ça, et puis de faire des expériences qui peuvent durer. Mais alors, juste avant, j'ai encore un petit transparent à montrer. Merci. On va faire des expériences sur des mouvements assez simples, mais qui utilisent exactement ce principe, c'est-à-dire un mouvement d'eau qui fait gonfler la cellule ou la paroi, la cellulose, ou alors qu'il a fait dégonfler, comment ça peut créer des mouvements à l'échelle d'un organe, à l'échelle d'une plante. Alors un exemple vraiment très simple et qui est très joli, je trouve, c'est la pomme de pin. Alors la pomme de pin, c'est très simple parce que finalement la pomme de pin, c'est une plante mais qui est morte. D'accord ? Donc c'est vraiment très très simple. Mais ce qu'on peut remarquer quand il y a des pommes de pin qui tombent comme ça de l'arbre, c'est que la pomme de pin, elle a plutôt cette tête-là quand elle tombe de l'arbre. Et puis ensuite, si vous revenez plusieurs jours après, et que vous voyez cette pomme de pin sur le sol, ce que vous voyez, c'est qu'elle a plutôt cette tête-là. Donc toutes les écailles se sont ouvertes, et en fait, à l'intérieur des écailles, il y a les pignons. D'accord ? En tout cas, dans cette espèce-là, dans ces pommes de pin-là qu'il y a à Marseille, en face de ma terrasse, il y a un pin d'Alep, et quand les pommes de pin tombent, il y a des magnifiques pignons comme ça qui se répartissent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ces écailles, elles s'ouvrent ou elles se ferment selon l'humidité de l'air. Et parce que la cellulose, c'est quelque chose qui est capable d'absorber de l'eau. Et si elle absorbe de l'eau, ben elle gonfle. Si elle relargue l'eau, ben elle rétrécit. D'accord ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené des pommes de pin. Alors, c'est peut-être même pas la peine là, d'avoir... Donc j'ai amené 2 pommes de pin de Marseille, de chez moi. Et alors, la difficulté, c'est que ça va être un peu long. Alors, je vais en mettre une dans l'eau, et on va voir à la fin de la conférence si on a vu quelque chose de significatif, d'accord ? Donc on a 2 pommes de pin, j'en mets une dans un récipient plein d'eau, d'accord ? Voilà. Et je vais mettre ça de côté, en attendant, et on retournera dessus tout à l'heure. Mais du coup, comme tout ça c'est très très long, et que je voulais quand même faire des petites expériences avec vous, ce qu'on va faire, et on va juste toujours repasser sur les transparents, s'il vous plaît, merci. Donc ce qu'on va faire, c'est des choses un petit peu différentes, parce que finalement je vous ai dit, les plantes, elles utilisent l'eau et la cellulose pour produire des mouvements. Donc il y a des choses très simples qui sont composées de cellulose, c'est le papier. D'accord ? Le papier, c'est essentiellement la pâte à papier, c'est fait à partir de plantes. Ensuite, il y a un petit liant. Mais le papier, c'est justement des fibres de cellulose. Et on va s'amuser à mettre du papier dans l'eau. Et on va essayer comme ça de voir comment, avec simplement 2 ingrédients très simples, un matériau, la cellulose, et puis de l'eau, on va comme ça réussir à produire des mouvements. Alors, ça, c'était la manip. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc, le papier, c'est fait de cellulose, mais c'est un petit peu particulier, parce que quand c'est fabriqué, le papier, en fait, c'est fabriqué, c'est pressé, et donc les fibres de cellulose qui sont à l'intérieur, elles ont une certaine orientation.
Alors, je schématise beaucoup, mais si vous prenez une feuille de papier, ici comme ça, le papier, il est très anisotrope, on dit. C'est-à-dire qu'il y a une direction privilégiée par rapport à l'autre. Et cette direction privilégiée que j'ai matérialisée par des petits pointillés ici, ça représente en fait l'alignement des fibres de cellulose. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met un morceau de papier dans l'eau? Ben, la cellulose, elle a envie d'absorber l'eau, donc le papier gonfle. Mais ce qui se passe, c'est que la feuille de papier, elle ne va pas gonfler de la même façon dans toutes les directions, parce qu'elle arrive très facilement à gonfler perpendiculairement aux fibres. Par contre, dans le sens des fibres, les fibres, ça joue un peu le rôle de câble de renforcement. Et tirer ces fibres, c'est difficile. Par contre, les écarter les unes des autres, c'est très facile. Donc en fait, la feuille de papier, et je vais faire des expériences pas avec du papier, mais avec du papier calque, mais c'est très similaire, la feuille de papier, si on la plonge comme ça, une bande dans l'eau, elle va essentiellement s'allonger, gonfler perpendiculairement aux fibres végétales, fibres de cellulose qui sont dedans. D'accord ? Alors on pourrait se dire, bon, très bien, comment ça va produire des mouvements ? Donc c'est là où on va pouvoir passer à la caméra. Donc j'ai amené du papier calque, d'accord ? Donc c'est vraiment une expérience que vous pouvez faire chez vous, je pense que c'est une expérience vraiment spectaculaire, et on m'a dit qu'elle était à l'exposition en fait Rupture avec un chercheur, une manip, ils la font aussi, donc si vous avez l'occasion de revenir et de discuter avec eux, donc voilà. Donc j'ai une feuille de papier calque, et je vais couper une bande, et je vais la poser à la surface de l'eau, et on va voir ce qui se passe. Alors je coupe d'abord la bande. Alors, c'est ce qui risque de prendre plus de temps. Il y en a que j'ai pré-coupé, mais celle-ci, je voulais le faire en même temps. Donc je coupe une bande de papier calque. Et vous allez voir, retenez bien la direction sur laquelle je la coupe, parce que tout à l'heure, je vais couper dans l'autre sens. Donc là, je coupe dans ce sens-là, puis on verra ensuite. Hein. Donc je finis de couper la bande de papier. Hop, voilà. Alors après, je ne sais pas si l'image va être bonne, hein, parce que ça, on verra bien. Et je vais la poser à la surface de l'eau. D'accord ? Alors, je ne sais pas où il faut que je la pose pour qu'on voit. C'est pas mal, là, mais alors j'espère que ça grossit pas mal. Donc j'ai peur... Voilà, je la pose. Il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Hop ! On voit que j'ai posé la feuille de papier calque à la surface de l'eau. Ça s'est enroulé complètement. Et puis, vous allez voir que, si on attend encore un petit peu, donc elle a coulé, hein. Elle a coulé parce qu'en fait, elle s'est gorgée d'eau, bon, elle a coulé. Ça libère quelques bulles qui ont été piégées lors de la chute dans l'eau. Mais on voit qu'elle se redéplie ensuite. Alors, c'est pas mal, j'ai réussi à créer un mouvement, mais il a été assez transitoire, ce mouvement, finalement, parce que j'ai plié, mais très vite, quand toute la feuille s'est gorgée, elle s'est redépliée. Ça, c'est pas exactement comme la pomme de pin, qui, si on la met humide, bah, elle reste pliée. Ou alors, si on la met sèche, elle reste sèche. Alors, juste pour continuer à faire un autre découpage, là, j'ai coupé dans ce sens. D'accord ? Donc, vraiment, vous pouvez la faire chez vous. Hein. Donc, vous coupez une bande dans ce sens. Maintenant, je vais couper dans l'autre sens. Okay ? Donc, j'y vais. Hop. On coupe là. Bon, après, les autres, je les ai faits parce que... Je me suis dit, ça allait être un peu la course. Donc voilà, donc la feuille de papier, elle va ressembler beaucoup. Alors je vais retirer ça, là. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre... J'espère que ça zoome tellement, j'espère que ça ne va pas dériver. Donc je mets cette feuille de papier est exactement la même que tout à l'heure, d'un point de vue géométrique, hein, la même largeur, même longueur. Seule chose, c'est que je ne l'ai pas coupée dans le même sens dans la feuille de papier. Maintenant, je la pose, toujours pareil. Hop. On va attendre un peu en espérant que ça ne dérive pas. Et bien évidemment, cette fois-ci, ça se courbe, mais ça se courbe toujours dans le même sens par rapport aux fibres. Comme moi, je n'ai pas coupé dans le même sens par rapport aux fibres, cette fois-ci, ça fait une cigarette, un rouleau de cigarette, alors que tout à l'heure, ça s'enroulait dans l'autre sens, mais... En fait, ce qui est important pour le papier, c'est dans quel sens étaient les fibres. Hein, c'est pas moi comment j'ai fait la bande. D'accord ? Et puis, si on attend un petit peu, normalement, elle devrait continuer de se... Voilà. Alors, on va s'amuser à faire ça juste après. Exactement. C'est une très bonne idée. On va faire ça.
Oui. Alors là, elle dérive un petit peu, je trouve, par rapport à. Je vais la mettre. Je vais la remettre. Pas évident de se repérer par rapport à la caméra. Voilà. Je vais la mettre là, puis je la mets dans l'eau, juste qu'on voit comment elle sort des plis. Voilà, alors on voit très bien comment l'absorption de l'eau, qui crée des variations de volume, crée un mouvement. Alors comment, si on peut juste passer sur l'ordinateur, le principe c'est quoi? Pourquoi ça se courbe pourquoi quand on a posé la feuille de papier sur l'eau, elle commence par fortement se courber, bon ensuite elle se décourbe, mais au départ, pourquoi elle se courbe fortement? Donc ça c'est assez simple. Donc ça c'était la manip qu'on a faite. Donc qu'est-ce qui se passe? Au départ, je pose ma feuille sur l'eau, donc ça c'est son épaisseur. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, la cellulose adore l'eau, c'est-à-dire que la cellulose va absorber l'eau. Donc l'eau rentre à travers l'épaisseur, et je vous ai dit que quand elle rentre, bah, elle fait gonfler la cellulose. Donc ce qui se passe, c'est que le dessous ici gonfle et devient plus long que le dessus, puisqu'il a gonflé. Et si vous avez une plaque mince et qu'un côté devient plus long que l'autre, elle se courbe. Ça, c'est le principe de base de la courbure des plaques, ou des poutres, ou de ce que vous voulez. D'accord? Donc ça se courbe. Et puis ensuite, quand l'eau est arrivée jusqu'en haut, ben, elle a gonflé uniformément toute l'épaisseur. Donc il n'y a plus aucune raison que ça se courbe, puisqu'il n'y a plus du tout de différence entre le bas et le haut, et ça redevient plat. Donc c'est un peu frustrant, parce qu'on a créé un très bon mouvement, mais on n'arrive pas à le figer, ce mouvement. On n'arrive pas à le maintenir. Donc les plantes, elles font un peu ça, mais elles font plus que ça, pour arriver à créer des mouvements d'eau. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont essayer de maintenir un côté gonflé plus que l'autre, de façon permanente. Alors là, l'astuce que font les plantes, et la pomme de pin, elle fait exactement ça, l'astuce, c'est qu'en fait, elles s'amusent. Donc ici, ce que vous avez, c'est une étude qui a été faite donc, par des chercheurs anglais. Ce que vous avez ici, c'est la coupe d'une pomme de pin, soit quand elle est très humide, soit quand elle est très sèche. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé une des écailles, et ils ont regardé, avec des moyens microscopiques, un petit peu comment étaient orientées les fibres. Et ce qu'ils ont vu en fait, c'est que le dessous de l'écaille, les fibres étaient orientées dans un certain sens. Ce qui fait que comme elles sont orientées comme ça, quand ça va gonfler, ça va aller par là. D'accord? Puisque toujours ça gonfle perpendiculairement aux fibres. Mais par contre, au-dessus, les fibres sont orientées dans l'autre sens. Donc là, ça n'a pas du tout envie de se gonfler comme ça. Et donc le dessous va bien se gonfler par là, mais pas le dessus. Et donc, la courbure va être maintenue. D'accord? Donc, toute l'idée et toute l'astuce qu'utilise ici la pomme de pin ou d'autres systèmes, c'est d'empiler comme ça une structure avec les fibres dans un sens et une structure avec les fibres dans l'autre. Alors, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire en manip. Et donc, l'idée, c'est cette fois-ci de faire une bicouche. Pardon. Alors ça aussi, vous pouvez le faire à la maison, sauf que c'est pas si facile de coller des feuilles de papier calque et que la colle tienne dans l'eau. Mais l'astuce, moi, que j'ai trouvée qui marche très très bien, c'est d'utiliser du joint silicone, celui qui sert à faire les joints dans les baignoires ou les éviers, par exemple. Parce que ça colle et en même temps, ça résiste à l'eau. Ça se délite pas dans l'eau puisque c'est fait pour. D'accord? Donc vous mettez pressé un petit peu de silicone avec une raclette. Vous faites une couche très très mince de joint silicone, et puis vous collez par-dessus l'autre feuille de calque une autre. Mais quand vous collez, vous faites attention de coller en ayant tourné cette feuille de calque de 90 degrés par rapport à celle-là, pour que les fibres soient pas dans le même sens. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée, c'est que vous avez. Je vais pas faire le collage ici, parce qu'après le joint silicone, ça met quand même plusieurs heures pour bien coller, mais l'idée, vous avez. Donc je prends deux feuilles de papier calque-canson, là, qui sont très bien. Hop, donc ça, c'est. Vous avez deux feuilles identiques. Ce que vous faites, c'est que vous tournez celle-là, vous l'appliquez sur l'autre, d'accord? Et puis ensuite, vous découpez les bords pour avoir un beau carré. Okay. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avant de venir. Donc voilà, typiquement, une telle bicouche. Donc en fait, là, elle est un peu plus épaisse, il y a une double épaisseur, plus l'épaisseur de la colle de joint silicone. Et j'ai tracé moi des. Oh là, faut que j'enlève ce truc. J'ai tracé des lignes pour montrer que la feuille qui est ici, elle avait ses fibres orientées comme ça, alors que la feuille de l'autre côté, elle a les fibres orientées comme ça. On voit pas très bien, mais alors il faudrait revenir, mais vous verrez que ça on voit mieux le feutre.
Donc alors, on va voir si ça marche, cette idée de où est-ce qu'il est le ciseau? De faire ça. On va voir si ça marche. Donc, on va découper une bande. C'est un peu un... C'est tellement long à fabriquer, ça, que quand on le coupe, on est un peu... Toujours un peu malheureux, mais... Hop, voilà. J'espère que le joint, j'espère que le joint silicone a pris, en fait. Je coupe un peu là, les bords qui ont peut-être pas bien collé avec le joint, je sais pas. Bon, on verra de toute façon, on verra bien si ça marche pas très bien. Hop, alors là on peut passer du coup, sur... merci beaucoup. On peut passer sur là. Donc là je vais le plonger directement dans l'eau, d'accord, je vais plonger ça dans l'eau, ok. Alors on va sans doute devoir attendre un peu par contre. C'est le problème de... J'essaie de faire des expériences. On va attendre. Hein. De toute façon, c'est la dernière conférence. Donc j'ai un peu moins de contraintes. Ça commence, mais je voulais la mettre de profil. Voilà. Vous avez vu que c'est un peu plus long hein, que tout à l'heure. Mais ça s'enroule. Ça s'enroule toujours. Alors, l'autre bout, il est un peu... Et alors ce que vous voyez, c'est assez rigolo parce que ça s'est enroulé de ce côté. Mais alors l'autre côté, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, l'autre côté, ça s'est enroulé dans l'autre côté, dans l'autre sens. Il l'a amorcé. Et alors ça va dépendre un peu des conditions initiales, de la façon dont vous avez fait le collage, mais comme j'ai mis deux couches avec leurs fibres perpendiculaires, chacune de ces couches a son sens préféré de courbure. Alors après, la plante, la bande de papier calque, elle se débrouille comme elle peut, d'accord, pour arriver à se débrouiller avec ça. Mais en tout cas, ce qui est important, et on va le laisser pendant que... même, on peut le laisser un petit peu. Attendez, je vais le montrer là. Ce qui est important, c'est ce que vous remarquez, c'est que ça ne se décourbe pas. D'accord ? Là, maintenant, j'ai quelque chose de figé. Alors, ça évolue encore dans le temps, mais ça ne va pas redevenir plat, parce que là, j'ai dissymétrisé une face d'une autre. Donc, à la fin, il y a toujours cette différence. Donc, ça, c'est vraiment ce que fait la pomme de pin. Alors, maintenant, exactement comme on m'a proposé juste avant, on pourrait se dire, là, j'ai coupé dans le sens des fibres. D'accord ? J'ai coupé comme ça. Maintenant, on pourrait se dire, on pourrait couper en diagonale, pour voir ce qui se passe si on coupe en diagonale. Okay ? Donc, on va couper en diagonale. Et c'est là qu'on commence à complètement détruire cette belle feuille. Donc, j'y vais, je découpe en diagonale. Alors, peut-être qu'on peut juste basculer sur le transparent. Alors, c'est pas qu'il est très important, mais c'est juste pour montrer ce que je fais là maintenant. Mais finalement, on le voit aussi là. Donc, je découpe en diagonale. D'accord. Et là, maintenant, si on revient sur la caméra, j'ai une petite bande comme ça, mais cette fois-ci, j'ai coupé en diagonale par rapport aux fibres. Je vais le mettre là. Alors là, je ne sais pas où le mettre pour qu'on le voit à la fin. Mais... Là, c'est pas trop mal. Puis pareil, il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir attendre un petit peu quand même. J'espère que celui-là va marcher. Alors vous voyez que ça se courbe. Mais vous voyez que ça se courbe un peu différemment. N'oubliez pas, j'ai courbé en diagonale. Mais ce que vous voyez se former, c'est des hélices. Okay ? Et c'est vraiment joli parce qu'on fait des belles hélices comme ça, et ces hélices, elles vont rester. D'accord ? Elles ne vont pas se redésentortiller. Voilà, ça fait des belles hélices. Et alors, je peux même m'amuser. Alors, c'était celle-là. Je peux essayer, on va voir si ça marche. Je vais essayer de faire une hélice encore plus fine. Alors, très très fine. Comme la caméra, elle zoome beaucoup, je pense qu'on le verra. On va faire ça. Exactement. Ce que je fais, c'est toujours à partir de la même feuille de papier,
La différence, c'est qu'au lieu de faire des coupes qui respectent le sens des fibres, cette fois-ci, je coupe carrément en diagonale. Donc là, l'hélice, elle s'est complètement enroulée. On a presque une hélice. En fait, on appelle ça une hélice cylindrique, parce qu'on pourrait l'enrouler autour d'un cylindre. Alors là, je vais essayer de faire un autre type d'hélice, mais ce n'est pas facile, en fait, parce que le papier calque marche très bien, parce que on peut comme ça observer les expériences sur l'eau, mais par contre, les feuilles sont minces, et donc on n'arrive pas... Alors, je vais enlever ça, et je vais mettre l'autre. Je vais enlever celle-ci. Eh oh. Je vais enlever celle-ci. Et celle-là. Alors, c'est vraiment petit, hein. Je ne sais pas ce qu'on va voir, mais on va attendre un peu. Et on va voir... Qu'est-ce qu'elle va faire comme type? Si on attend un petit peu. En tout cas, on voit qu'elle a toujours ce mouvement de torsion. Voilà. On peut attendre un petit peu. Alors, en fait, cette hélice. Alors, je vous ai dit, le problème, c'est que vous avez vu, je l'ai fait beaucoup plus mince que l'autre, hein, la bande. J'ai essayé de couper une bande très petite. Alors sans doute pour arriver à faire exactement l'hélice que je voulais, il aurait fallu faire une bande encore plus petite en largeur, ou alors avoir des feuilles plus épaisses de papier calque. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous arrivez à voir, cette forme est un petit peu différente de la précédente. On n'a pas comme ça une hélice qui s'enroule autour d'un cylindre. Cette hélice, elle est un petit peu différente, ça ressemble plus, si vous prenez un Hollywood chewing-gum, vous voyez, c'est ce genre de chewing-gum en forme de bande, et que vous tordez comme ça le chewing-gum, vous allez former une hélice aussi. Mais ce n'est pas une hélice que vous enroulez autour d'un cylindre comme un ruban de papier cadeau. C'est plutôt quelque chose qui se tord comme ça. Ça commence à ressembler un petit peu à ce qui se passerait si vous prenez une bande de chewing-gum et que vous tordez. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Pour avoir vraiment ça, il faudrait quelque chose de plus épais. Mais en tout cas, vous voyez que juste en jouant un petit peu sur la géométrie de la bande, alors on sent bien que maintenant je peux m'amuser à couper avec des angles variables entre la diagonale et... les bords de la feuille, et je vais avoir comme ça toute une richesse de formes. Et si on peut revenir au transparent. Donc ce qu'on peut montrer, et il y a une très très jolie étude en fait d'une équipe israélienne il y a un an et demi, qui a en fait étudié ce système-là, et qui a montré qu'avec simplement ces ingrédients-là, on pouvait comme ça avoir toute une gamme de formes d'hélices, et on pouvait passer d'hélices qui ressemblent en fait à une hélice de la molécule d'ADN. Donc en fait, on appelait ça des hélices twistées ou tordues, à des hélices purement cylindriques, comme ça, juste en jouant sur la géométrie de la bande, sa largeur, son épaisseur. Et donc, juste cet ingrédient très simple, vous avez une bicouche qui veut se courber dans deux directions opposées, quelque part, et en choisissant la géométrie de l'angle, vous pouvez comme ça former des choses très variées. Et en fait, ce n'est pas juste... quelque chose qui peut être utilisé, par exemple, pour fabriquer des matériaux particuliers, mais c'est utilisé par les plantes. Et en fait, la plupart des gousses de graines forment des hélices de cette façon-là. Quand vous prenez une gousse, en fait, elle est formée de deux morceaux qui sont collés. Si vous séparez ces deux morceaux, ou si vous avez attendu suffisamment longtemps pour que les deux morceaux se séparent naturellement, la plupart du temps, vous pouvez observer que ces deux morceaux forment des hélices qui sont d'ailleurs... Chacun des morceaux est d'ailleurs miroir de l'autre. D'accord ? Et en fait, si on regarde, et c'est ce qu'a fait cette équipe israélienne, dirigée par Ran Sharon, si on regarde avec un microscope l'orientation des fibres de cellulose des deux côtés de la gousse, eh ben on voit que ces orientations-là sont non seulement à 90 degrés l'une de l'autre, mais en biais par rapport à l'axe principal de la gousse. Donc en fait, avec la feuille de papier calque, la bicouche de papier calque en coupant en diagonale, on a fait exactement la même chose que font les gousses comme ça. Alors, ça, jusqu'à présent, on a parlé donc de mouvements induits par l'eau, hein, l'eau qui a induit des gonflements, et grâce à l'anisotropie de la cellulose, on peut comme ça créer des formes. Mais quand même, ces mouvements d'eau, on pourrait se demander, est-ce que c'est tout le temps bien efficace ? Alors ce que je vais faire dans l'expérience là, c'est en fait je vais prendre trois bandes de papier calque, mais par contre ça ne va pas être les mêmes, c'est des papiers calque de densité différente et en fait d'épaisseur différente. Il y en a un qui va être du 40 grammes par mètre carré, un de 70 grammes par mètre carré et un de 110 grammes par mètre carré. Donc ça correspond, en gros, le rapport entre les densités de ces papiers calques vous donne une idée du rapport des épaisseurs des papiers calques. Et là typiquement, ce papier calque là, doit faire 100 microns d'épaisseur, alors que celui-ci,
est à peu près trois fois moins épais, donc une trentaine de microns. D'accord ? Et on va regarder comment ça se plie. Donc là, on peut repasser à la caméra. Hop, je mets ça. Donc allons-y, on va commencer. Ah oui, et je voulais prendre mon chronomètre. Parce que je voulais noter les temps. Donc je vais prendre un chronomètre. Hop. Vous pouvez prendre un chronomètre aussi, si vous voulez, parce que moi j'ai l'impression que la batterie est limite. Alors le chronomètre, on ne va pas pouvoir le voir en direct, par contre. Alors comment je vais faire pour ça? Je vais prendre ça. Donc je vais commencer avec le papier calque le plus fin, le 40 grammes par mètre carré. Je vais le poser et je vais tout de suite appuyer sur « Démarrer ». Le problème, c'est que le zoom est tel que j'ai peur que je vais le poser rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on voit que j'arrive à le centrer. Hein. Là, là, hop, je démarre. Toc. Là, ça a mis 4,5 secondes. Enfin, 4,5 secondes. D'accord ? Ça a mis 4,5 secondes à se plier. Vous avez vu ? Puis ensuite, ça va se déplier. Mais le mouvement, je ne sais même pas si vous avez réalisé la vitesse, en fait, parce que moi, j'étais là avec le chronomètre, je n'ai même pas vu se plier, quasiment. D'accord ? Donc là, ici, avec le papier le plus fin, ça s'est plié très très vite. On voit que là, le mouvement d'eau a été très efficace. Il a plié très rapidement la bande. Maintenant, donc j'ai noté quand même le temps, là, quelque part. 4,5 secondes. Hop. Maintenant, je vais prendre la bande de papier calque qui correspond à du 70 grammes par mètre carré, donc un peu plus épaisse. C'est le même papier calque que j'ai utilisé depuis le début des expériences, celui-là. Donc j'y vais. Alors, j'y vais. Hop, je démarre. Hop, ouais, une dizaine de secondes. D'accord ? Ok, à peu près. Et puis bon, pour pas que ça s'éternise non plus, j'ai enlevé celle-ci. Hop, donc j'ai noté. Et puis la dernière, la plus épaisse, le 110 grammes par mètre carré, là, correspond à une épaisseur trois fois plus grande que la première bande que j'ai montrée. J'y vais. Là, ça commence déjà à être une expérience quantitative. Hein. En physique, on fait que ça au labo, en fait. Après, on en fait des dizaines d'expériences comme ça. Mais... Hop. Faut attendre. Hein. Attendez, ça ne se touche pas encore. Hop, 27 secondes à peu près, 27 secondes, une trentaine de secondes. D'accord ? Donc on voit que plus, ça paraît logique, plus l'épaisseur de la feuille est grande, plus le temps que va mettre l'eau à imbiber cette épaisseur est long, et donc plus on a un objet qui est grand, moins les mouvements d'eau vont être efficaces pour lui faire des mouvements rapides, en tout cas. Par contre, si on a un objet très petit, alors un mouvement d'eau peut être suffisant pour faire un mouvement très très rapide. Et si maintenant on trace ces trois temps sur un graphe, donc on peut revenir au slide, donc c'est vraiment de là. Ce qu'on remarque en fait, c'est que ce n'est pas du tout linéaire. En fait, j'ai un temps, là j'avais 4 secondes, je suis passé de 4 secondes à une trentaine de secondes, alors que j'ai un facteur d'épaisseur entre le plus petit et le plus gros, un peu moins de 3. Donc si on fait 4 secondes ou 5 secondes fois 3, ça fait 12 secondes. Or là, ça a mis quasiment 30 secondes. Donc en fait, si on fait proprement l'expérience, on peut voir en fait ce que suit cette loi temps en fonction d'épaisseur. C'est en fait une loi parabolique. Ça marche comme le carré de l'épaisseur. Si vous doublez l'épaisseur, vous multipliez par 4 le temps qu'il faut pour que ça bouge. Alors ça, c'est une idée intéressante pour essayer de classer ces mouvements des plantes, et c'est une idée qu'avait eu Jan Scottheim, en fait, qui est un chercheur américain. Et lui, son idée, ça avait été de dire, bon ben, si dans ce graphe où il y a plein de plantes avec ces échelles de temps gigantesques et puis ces échelles de taille aussi très grandes, eh ben, on peut tracer une droite. Alors c'est une droite parce qu'on est en échelle logarithmique. Cette droite, en fait, elle dit que si on double, on multiplie par 10 la taille, on va multiplier par 100, puisque 10 au carré, c'est 10 fois 10, ça fait 100, on multiplie par 100 le temps. Et donc l'idée, c'est que ça,
C'est une sorte de frontière. C'est-à-dire que c'est le temps maximum que peut mettre l'eau pour franchir une certaine taille. Et donc si on est ici et qu'on arrive à avoir un mouvement qui dépasse cette frontière, qui est plus rapide, ça veut dire que la plante a utilisé un autre mécanisme. C'est pas juste du transport d'eau qui a pu produire cette vitesse-là. Il a fallu trouver un autre mécanisme. Et c'est ça dont on va discuter rapidement sur la fin de la conférence, mais c'est comment font les plantes. Alors comment les plantes se musclent, c'est comment finalement elles font pour dépasser ces mouvements d'eau et pour arriver à produire des mouvements aussi rapides, puisque si vous voyez, il y a quand même toute une zoologie de mouvements qui franchissent allègrement cette limite hydraulique, et pas un petit peu, puisque je vous rappelle, c'est une échelle logarithmique, donc ici, c'est 10 fois plus rapide, 100 fois plus rapide, 1000 fois plus rapide, 10 000, 100 000, 1 million de fois plus rapide que ce que prédirait le mouvement d'eau à travers l'épaisseur de la plante. Alors l'idée en fait qu'utilisent les plantes, et c'est pour ça qu'il y a un lien avec en fait tout ce qu'on a dit depuis le début de la journée, c'est qu'en fait elles vont utiliser des déformations mécaniques et elles vont utiliser de l'élasticité. Et leur stratégie, ça va être d'essayer de stocker cette déformation élastique, de la garder le plus longtemps possible, jusqu'à un certain moment où elles ne peuvent plus la garder et elles vont la libérer brutalement. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la stratégie générale qu'utilisent les plantes pour franchir ce seuil. Ça va être d'utiliser une instabilité mécanique. Une instabilité mécanique, c'est quoi fondamentalement ? C'est que vous êtes dans un paysage où il y a deux puits et une bosse. Vous imaginez deux vallées, le sommet d'une montagne. Et si vous êtes ici et que vous montez un rocher, comme Sisyphe par exemple, ou n'importe quoi, alors ça va être long, ça va dépendre de la vitesse où vous arrivez à le monter, ça va essentiellement dépendre de vos muscles, de tout votre moteur interne pour arriver à monter cet objet. Mais une fois qu'il est là, il suffit de le pousser un petit peu, et il déboule, et la vitesse de chute ici ne dépend plus du tout de vos muscles ou quoi que ce soit. C'est exactement c'est ici. Petit à petit, on est dans un état métastable. Alors, un état métastable, en réalité, c'est que ce puits il va monter, et puis à un moment, il va disparaître, et il n'y a plus qu'un seul puits qui apparaît ici. Un état métastable, en fait, c'est un état d'équilibre, mais qui n'est pas le plus stable qu'on puisse trouver si on était capable d'explorer toutes les montagnes et les vallées alentour. Mais en tout cas, ce qui est important de voir ici, c'est que ça peut être très lent, l'accumulation de l'énergie élastique. Mais s'il y a comme ça un sommet, on va ensuite relâcher cette énergie élastique par un mécanisme. Alors ici, c'est la gravité qui fait débouler le rocher. Dans le cas d'un matériau dont on a stocké les déformations élastiques, ce qui va se passer, ça va être comme un ressort. Si vous lâchez un ressort, c'est l'énergie élastique qui est transformée en énergie cinétique, donc en vitesse, dans votre système. Alors ça, c'est vraiment le principe même. Alors j'avais amené des... Alors si on peut juste passer, mais c'est vraiment... Il y a eu des conférences incroyables sur la fracture tout à l'heure, mais c'est juste, j'ai amené un spaghetti. Hein. Un spaghetti, c'est typiquement... un exemple de système où vous allez pouvoir stocker en le courbant une déformation élastique. Et on voit qu'on peut le déformer, on peut le déformer. Alors je ne sais pas comment le mettre pour que ce soit joli. Hein. Et puis à un moment, paf, je le casse parce que j'ai dépassé justement cette bosse et la vitesse de rupture est gigantesque. Il me faudrait des caméras très 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 rapides pour être capable de voir le mouvement de rupture de ce spaghetti. Donc lentement, je stocke de l'énergie élastique et tout d'un coup, tac, je casse le spaghetti en deux. Alors ça, c'est le principe d'énormément de mouvements rapides chez les plantes, c'est justement d'utiliser de la rupture, de la fracture, pour comme ça, tout d'un coup, libérer de l'énergie élastique qui est stockée. Et alors ça, c'est le film que je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement ça. Alors je vais pas le repasser, parce que ça va prendre du temps, mais c'est exactement ça. Tous ces systèmes qui relarguent comme ça des graines, elles ont en fait accumulé de l'énergie élastique, et puis ensuite... cette énergie élastique brutalement est libérée parce qu'une fracture se propage. Et souvent, en fait, dans tous ces systèmes-là, il y a un point d'attache ou un point de liaison un peu faible. Ça peut être justement les gousses qui sont collées selon des liaisons un petit peu faibles. Et ça, ça va être justement, ça va permettre de... regardez ici, on voit très très bien, il y a comme ça tout d'un coup des différentes dislocations du système. Et en fait... si on voit, donc c'est exactement le principe de la gousse. Ici, la gousse, elle est collée, les deux parties sont collées. Elles aimeraient bien être des hélices, mais au départ, elles sont collées. Donc toute cette énergie qui voudrait se libérer pour redevenir une hélice, elle est maintenue au départ, et au bout d'un moment, il y a une fente ici qui apparaît, et brutalement, l'énergie élastique est libérée. Et là aussi, vous voyez très bien, là,
dans le cas des graines d'impatience. Vous voyez très bien ici, tout d'un coup, ces lignes, ici, qui sont des lignes faibles, de faible adhésion, et on voit, paf, une fracture qui s'est propagée à partir de la base, et qui se rue vers le sommet, et ensuite, la forme plus stable arrive à être libérée. Ici, c'est une forme enroulée, comme ça. Alors ça, c'est utilisé par les plantes, la plupart des plantes, pour en fait, la reproduction, que ce soit la dispersion de pollen ou la dispersion de graines. Mais c'est quand même un petit peu dommage, parce que c'est quelque chose qui apparaît qu'une fois. Ce n'est pas du tout réversible, la fracture, une fois qu'on a cassé, à part les matériaux viscoélastiques particuliers comme le slime, sinon une fois qu'on a cassé, on n'arrive pas à recoller. Et donc c'est typiquement quelque chose qui a lieu justement pour se reproduire, ben on largue ses graines, et puis après, de toute façon, ce n'est pas grave. C'est la génération suivante qui prend le relais. Alors il y a quand même des moyens d'être au bord de la rupture et de bénéficier comme ça d'instabilité sans casser. Et l'idée, c'est d'utiliser des instabilités mécaniques cette fois-ci, donc on ne casse pas, mais on utilise un peu la géométrie pour arriver à accumuler de l'énergie et tout d'un coup la libérer. Alors un exemple peut-être simple, mais c'est que vous imaginez que vous avez une tige comme ça, qui est maintenue entre deux murs bien rigides, mais la distance entre les murs est plus courte que la longueur de la tige. Ben alors, je peux le faire parce que je peux prendre le spaghetti. Alors ça va être un peu pas évident, mais disons que je peux plier un spaghetti comme ça, et après je peux m'amuser à pousser sur le spaghetti pour essayer de le faire passer de l'autre côté. Et si je fais ça, alors je ne vais pas faire l'expérience là, parce que c'est trop fragile un spaghetti, mais en tout cas ce qui va se passer, c'est que la tige, pour passer dans l'état symétrique, elle est obligée à un moment de passer par un état intermédiaire où elle est un peu comprimée, et du coup, c'est un état qu'elle n'aime pas trop, et boum, vite, elle se met à basculer dans l'autre état. Mais vous voyez qu'elle ne se casse pas. C'est un moyen d'accumuler de l'énergie élastique et vite la libérer sans casser, juste par des contraintes géométriques. Alors il y a une plante qui utilise ça, c'est une plante carnivore qui s'appelle la dionée. Donc c'est une plante qu'on trouve à l'état natif aux États-Unis. Maintenant, on en trouve partout, en fait. Vous devez connaître cette plante. C'est une plante carnivore. Donc j'en ai ramené de Marseille, donc on va la voir. Et en fait, c'est une plante qui capture et digère des insectes. Et elle est formée comme ça de pièges qui ont la forme de bouche. Et quand un insecte se pose sur cette bouche, le piège se ferme rapidement. Suffisamment rapidement pour arriver à capturer des mouches, donc il faut que ça soit un mouvement très rapide, alors que l'objet est très gros. Hein. Vous voyez, c'est quelques centimètres. Donc on est beaucoup plus gros et épais que les feuilles de papier calque que j'ai montrées là. Et pourtant, vous allez voir que le mouvement est assez fort si jamais les plantes n'ont pas complètement ont résisté au transport. Donc si on peut passer le film là. Donc, je ne sais pas si elles sont. Voilà. Là, on en voit par exemple. Je ne sais pas si ça va être les plus jolies, mais je ne sais plus laquelle je voulais. C'est quoi celle-là ? C'est celle. Ouais, je ne sais pas trop. Voilà, bon, de toute façon, j'en essaierai plusieurs, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous avez cette plante, et ce que je vais faire, c'est que je vais mimer un insecte, c'est-à-dire que je vais toucher l'intérieur du piège. Alors, je ne sais pas lequel vous voyez par contre. C'est celui-là ? Ouais, celui-là, vous le voyez. Donc je vais toucher, et alors ce qui est assez étonnant, je vais essayer de le faire. Je vais toucher une fois, il ne se passe rien. Je touche une deuxième fois. Vous l'avez vu se fermer ? C'est la bonne que moi, je n'ai pas vu du tout sur l'écran. Vous avez vu se fermer ou pas ? Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, ce piège, il a à l'intérieur des poils, qui sont des poils sensibles, et qui en fait vont convertir une déformation mécanique en signal électrique. Donc les plantes possèdent des signaux électriques comme nous, les nerfs. Hein, elles n'ont pas des cellules nerveuses, mais elles sont capables de générer des signaux électriques. Et ça a été découvert par un ami physiologiste de Darwin, qui a été le premier à s'intéresser à ces plantes, déjà à la fin du 19e siècle. Donc il a fait des mesures de potentiel d'action, exactement, un potentiel électrique comme il y a dans le nerf. Et en fait, ce potentiel d'action, il va informer très rapidement l'ensemble du piège qu'il y a un intrus qui est là. Et ensuite, il y a tout un processus qui fait fermer mécaniquement ce piège. Et vous voyez que c'est un mouvement qui a lieu très rapidement. Hein. Typiquement, l'ordre de grandeur, c'est le dixième de seconde. Donc c'est un mouvement très rapide. Alors ça veut dire que pour arriver à l'étudier clairement, il va falloir utiliser une caméra rapide. Donc si on peut repasser ici. Donc ça, c'est un film justement pris à la caméra rapide qui permet un peu de ralentir le mouvement pour voir ce qui se passe. Donc je lance le film. Donc vous voyez ici, alors ce que vous voyez là, c'est une petite tige métallique qui sert à déclencher le piège. Donc ce film s'est pris, il y a 125 images par seconde, donc c'est 5 fois plus rapide qu'une caméra classique. Et vous voyez ce mouvement de fermeture
des deux parties du piège, comme ça. Et donc vous avez vu que c'était un petit peu lent au début, et tout d'un coup, il y a eu une accélération, et boum, le piège s'est refermé. D'accord ? Vous avez vu ce... Et ce que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est qu'en fait, la forme du piège change brutalement entre l'état ouvert et l'état fermé. Et en fait, la forme de ce piège ressemble un petit peu à une coque mince. C'est-à-dire que dans l'état ouvert... C'est ça. Dans l'état ouvert, on a quelque chose qui est courbé vers l'extérieur, qui est bombé vers l'extérieur, alors que dans l'état fermé, on a quelque chose qui est bombé vers l'intérieur. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose en fait qui rappelle ce qui se passe quand on s'amuse avec justement... Alors là, j'ai amené une petite puce, là, une petite coquille en élastomère. C'est juste un jouet que tout le monde connaît. Donc c'est une petite coque en caoutchouc qui est assez mince. Et on sait tous que... Alors peut-être qu'on peut la... On peut la mettre là et voir ce que ça donne, mais pas qu'elle tombe. Comment s'appelle la plante s'appelle la dionée. La dionée. C'est une plante carnivore qui s'appelle dionée ou Dionaea muscipula pour son nom scientifique. Les Anglais l'appellent Venus flytrap, donc celle qui capture les mouches. Donc alors, la puce, je vais la mettre là, mais il ne faut pas que j'endommage la caméra. Donc je ne sais pas. Là, vous allez la voir, oui. Donc je vais la poser. Il ne se passe rien. Et brutalement, elle saute. D'accord ? Vous avez tous sans doute vu ce genre de jouet. D'accord ? Et là, c'est... En fait, cette plante carnivore, elle utilise un peu le même principe. Alors, pour arriver à voir le mouvement de la puce... Ah, attendez. Ah, je pensais que j'avais un film ici, mais c'est pas grave. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Ah si, ça a marché. Donc, vous l'avez vu. Donc en fait, c'était exactement la même expérience, mais pris avec une caméra rapide. On voit vraiment le retournement rapide. Donc c'est très lent au début, et tout d'un coup, boum, l'énergie élastique qui est dans ce système-là est libérée, et ça se transforme en énergie cinétique, et le système monte. Alors on peut se demander pourquoi passer d'une forme bombée dans un sens à une forme bombée dans l'autre nécessite de passer par un sommet comme ça, et donc pourquoi il y a une instabilité, un point de rupture, quand on passe de cet état courbé dans un sens à cet état courbé dans l'autre sens. Ben ça, c'est l'explication, elle a été donnée un petit peu plus tôt dans la journée quand les conférenciers ont parlé de problèmes de papier froissé ou de déformation de plaques. C'est qu'en fait, si vous voulez passer d'une coque qui est courbée dans un sens à une coque courbée dans l'autre, vous n'avez pas vraiment le choix, il faut à un moment qu'elle devienne plate, ou plus ou moins plate. Et c'est exactement le même problème que tout à l'heure. Si on veut transformer une sphère en un plan, en conservant les distances, c'est impossible. Ça a été démontré mathématiquement, encore une fois, ça a été dit, c'est bien connu des cartographes, on ne peut pas transformer une sphère en un plan en gardant les distances fixes. Ça veut dire que quand cette coque passe par son état plan, il a fallu qu'elle se comprime ou qu'elle s'étire pour changer sa géométrie. Et cet étirement et cette compression, ben c'est de l'énergie élastique. Et donc, une fois qu'elle est là, c'est un état qu'elle n'aime pas du tout, qui est très énergétique. Et donc, poum, elle rebascule dans l'autre état, qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup moins énergétique. Donc ça, c'est vraiment le principe qu'utilise cette plante, donc la dionée, qui est une plante terrestre, carnivore terrestre. Plus récemment, il y a une équipe à Grenoble qui a montré qu'exactement le même type de principe permettait à une autre plante carnivore, mais cette fois-ci aquatique, de capturer très rapidement des organismes qui se baladent dans les mares. Cette plante, c'est l'utriculaire. Donc l'utriculaire, c'est une plante aquatique, donc les fleurs, on les voit à la surface de l'eau, elles émergent, elles ont cette tête-là. Mais la plus grande partie de la tige et des branches sont à l'intérieur de l'eau, sous l'eau. Et ce que vous voyez accroché à ces petites branches, il n'y a pas vraiment des feuilles, ça s'est modifié, et il y a des petites comme ça, capsules là. Et ça, c'est un zoom de ces capsules, et ça forme des petites poches, des petites outres, comme des petites gourdes. D'accord ? C'est une petite poche, et cette poche, elle est fermée là par une porte. Et chacune de ces poches, donc ça c'est sans doute un des systèmes les plus extraordinaires des plantes, chacune de ces poches en fait contient de l'eau un petit peu en dépression. Elle a, pendant toute une phase initiale, elle a expulsé l'eau de sa poche, ce qui fait qu'elle est un peu déformée, et l'eau à l'intérieur de la poche a une pression plus basse que l'eau à l'extérieur. Donc l'eau, elle aimerait bien rentrer là-dedans. Sauf qu'elle ne peut pas parce que la porte est fermée. D'accord ? La porte, elle est fermée, elle est étanche. Alors qu'est-ce qui se passe quand une petite crevette, ou là c'est une daphné, c'est un petit
cet animal aquatique. Qu'est-ce qui se passe quand un animal aquatique arrive proche de la porte? Parce que sur cette porte, il y a des longs poils, un peu comme sur la Dionée, qui détectent. Donc ce qui se passe, donc je lance le film. C'est un film pris par justement l'équipe de Grenoble. Et là, le mouvement est très 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 rapide. Il est encore plus rapide que la Dionée. C'est de l'ordre du millième de seconde. Et vous avez vu cette Daphné là, qui est complètement aspirée et qui en tourne dans tous les sens à l'intérieur du piège. Et cette équipe-là a réussi à visualiser en fait l'ouverture de la porte. Et ce qu'elle a montré, c'est que finalement, la porte, elle avait une forme de dôme bombé vers l'extérieur. Et donc en fait, c'est bien connu des architectes, et c'est exactement ce que montre la puce, une forme bombée, ça résiste à la déformation parce que ça n'a pas envie de s'étirer, ça n'a pas envie de devenir plat. Donc faire des dômes, ça permet de résister à des fortes pressions. Mais il arrive un moment, exactement comme la Dionée, où si moi j'appuie de plus en plus, le dôme ne résiste plus, et brutalement, il change de sens. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Au bout d'un moment, soit par le déclenchement, par la Daphné, soit parce que la différence de pression est trop grande, le dôme s'inverse brutalement. Et quand le dôme est dans l'autre sens, cette fois-ci, il n'est plus capable de résister à l'eau. Et il s'ouvre comme une porte battante. Et l'eau est aspirée dans l'outre, et avec elle, l'insecte. D'accord ? C'est quelque chose d'assez extraordinaire comme système. Donc voilà, je pense qu'il est. J'avais un dernier exemple à montrer, mais là il est déjà 18h04. Je vais peut-être juste très rapidement vous dire que encore plus récemment, il y a une étude faite par un chercheur à Nice, Xavier Noblin, et puis avec des collaborateurs qui étaient à Harvard à l'époque, Jacques Dumay, qui ont étudié un autre type de mouvement, et cette fois-ci sans doute le mouvement le plus rapide du règne végétal en termes d'échelle de temps, c'est-à-dire qui dure le moins longtemps. Ils ont étudié comment les spores de fougères sont éjectées. Alors les spores de fougères, là on est à des échelles minuscules, on est à l'échelle de 100 microns, voire moins. Donc les spores de fougères, c'est des choses qui sont à l'intérieur, sous les feuilles des fougères, là, dans ces amas jaunes. Et si on regarde un petit peu, qu'est-ce que c'est que ces amas jaunes? En fait, ces amas jaunes, c'est une accumulation de petites coquilles, de coquilles, qui sont représentées ici. Et dans ces coquilles, il y a les spores. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que cette coquille, quand la plante est mature, avec l'air qui est relativement sec, eh ben elle s'ouvre lentement, et il y a un moment où elle va, comme une catapulte, larguer les spores. D'accord? Alors, il y a deux choses dans ce mouvement-là. Il y a d'abord l'ouverture, et puis il y a le mouvement très rapide de fermeture. Alors l'ouverture, c'était connu depuis très longtemps. L'ouverture, ce qui se passe, c'est que cette coquille, elle possède comme une crête, comme si on avait une crête comme si on s'était fait une crête de cheveux là, une rangée de cellules très particulière, avec des parois très épaisses, remplies d'eau, et avec un côté des parois beaucoup plus fines. Et ce qui se passe, c'est que quand la fougère, donc ces spores sont fabriquées, l'atmosphère est relativement sèche, l'eau s'évapore de ces petites cellules, et du coup la géométrie particulière de ces cellules font que, en s'évaporant, ça rapproche les parois sur le côté, c'est comme un accordéon qu'on déplierait. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre parce que l'eau s'évapore, l'eau veut sortir de ces petites cellules, et donc ce qui va se passer, c'est que l'eau à l'intérieur, il y a de l'eau qui sort, donc elle se met en tension, elle tire sur toutes les petites parois en orange. Et comme ça, elle tire, et elle est en train de bander l'arc, en fait. D'accord ? Ou elle est en train de charger la catapulte. Donc on voit ici que l'évaporation de l'eau combinée à la cellulose, ça fait office de la charge de la catapulte. Alors ça, c'est le premier temps. Mais alors, si on fait ils ont fait des super films, donc voilà un film. Voilà l'ouverture en accéléré. La catapulte se charge. Elle devient complètement, ça inverse la courbure, et il y a un moment, bam, ça casse. Alors est-ce que ça casse, c'est ce qu'on va voir, ça largue les spores. Et la chose, alors ça aussi c'était connu, hein, parce que les physiologistes des plantes étaient très observateurs, même il y a un siècle quasiment, ça a été connu. Je ne sais pas si vous voyez à la fin, ici c'est plus clair entre les cellules. Alors on va remettre au début pour que vous voyez le début. Voilà. Vous voyez ici c'est sombre. Toutes les cellules sont remplies d'eau. D'accord ? À la fin,
Donc, je suis désolé, je suis obligé de le repasser du coup. On va le remettre. Voilà. Là, vous voyez que c'est clair entre les parois. En fait, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Alors, ben, on va voir. Ce qu'il y a à la place de l'eau, c'est qu'il y a des bulles. Il y a des bulles. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que est-ce que j'ai le dessin ? Oui, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que l'eau s'évapore, et l'eau qui reste ici, elle tire sur les parois, et donc elle est en tension. C'est comme si vous mettez de l'eau dans une seringue, et vous tirez, en mettant le doigt de l'autre côté, vous tirez énormément le piston. Ben, l'eau, les molécules d'eau, elles ont une cohésion entre elles. C'est pour ça que c'est un liquide, il y a des forces attractives entre les molécules d'eau. Elles ne veulent pas être séparées. Et donc elles résistent tant qu'elles peuvent. Et les gens, il y a déjà un siècle, ils avaient estimé que la pression d'eau à l'intérieur de ces petites cellules, elle atteignait moins 300 atmosphères. C'est-à-dire que ce n'est pas des valeurs positives. Hein, sur Terre, là, au niveau du sol, on a une atmosphère. Si on va dans l'espace, on a zéro atmosphère, il n'y a plus de gaz. Là, ce n'est pas zéro, c'est moins 300. Donc c'est qu'on n'est plus en train de recevoir des chocs des molécules, on n'est plus en train de recevoir une pression positive, c'est au contraire l'eau qui est en train de tirer sur l'extérieur. Seulement, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est comme quand ça casse un solide. L'eau, elle n'arrive plus à retenir, la cohésion entre les molécules d'eau est plus suffisante, et il y a un moment, poum, il y a une bulle qui apparaît. C'est ce qu'on appelle la cavitation. Et au moment où la bulle apparaît, eh ben, toute l'énergie élastique qui a été stockée dans ces parois oranges, là, très rigides, comme un arc, c'est comme quand on lâche la corde de l'arc, c'est relâché. Et donc vous voyez que ce qui est assez incroyable, c'est que l'eau, l'évaporation de l'eau et la cellulose, ça a servi à armer la catapulte, et les propriétés de l'eau, elles servent aussi à déclencher la catapulte. Donc elles jouent le rôle de celui qui enroule la corde et de celui qui coupe la corde. Mais il y a une dernière chose qu'ils ont découvert, qui est assez incroyable, c'est que... imaginez que vous faites une catapulte comme ça et que vous coupez la corde. Ben, le problème, c'est que la catapulte, vous coupez la corde, elle a une pierre là dans le truc. Si vous coupez là juste la corde, ça va faire boum comme ça. C'est-à-dire que votre pierre qui était là, elle va être plaquée et elle va être rabattue vers le sol, elle ne va jamais partir. Ça, évidemment, les ingénieurs qui concevaient les catapultes le connaissaient très bien, et ils tous mettent une barre ici. Parce que ce qu'il faut, c'est bloquer la catapulte à mi-course pour que la pierre parte. Et ce qui a intrigué Xavier Noblin et Jacques Dumay, c'est que là, elle était où la barre qui permettait au sport de partir à ce moment-là et pas d'être plaqué vers le bas et ça ne sert à rien du tout. Et en fait, ils ont montré que, encore une fois, c'est l'eau et la cellulose qui joue le rôle de la barre. Sauf que ce qui se passe, c'est que la paroi de cellulose, la orange, elle est gorgée d'eau, elle aussi, un peu comme une éponge. Et du coup, quand brutalement on relâche la déformation, l'eau qui est dans cette... Alors je ne l'ai pas visualisé, mais elle est à l'intérieur de la paroi orange, et bien elle se met à être comprimée brutalement et elle retient à mi-course la catapulte. Et c'est à ce moment-là que ça part. Et ça, ils l'ont très bien vu parce qu'ils ont fait des films. Voilà. À la caméra rapide, on voit que la catapulte, elle ne va pas du tout en bas. Elle s'arrête au milieu, elle oscille un peu, les spores sont larguées, et ensuite, beaucoup plus lentement, elle retourne son état initial. Et là, on le voit très bien sur leur deuxième film, qui est un petit peu plus... Voilà. Le mouvement rapide au départ, et ensuite, très lentement, elle va se refermer. Donc voilà, l'eau, elle a joué à tous les rôles ici, avec l'aide de la cellulose. Voilà, donc je vais finir la conférence sur cet exemple-là. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, merci. Donc, merci à vous et puis je vous souhaite tous une bonne soirée. Il n'y a plus le temps de prendre des questions là. Je suis vraiment désolé parce que déjà on a dépassé l'heure limite. À la pomme de pin. Ouais. Ah bah c'est pas. Je suis un peu déçu pour la pomme de pin. Je dois vous avouer que. Donc bonne soirée à tous. C'est pas la pomme de pin. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour qu'elle commence un petit peu à se refermer, mais elle n'est pas encore. C'est épais, c'est trop long. C'est trop long quand c'est gros. Ouais. Ouais. C'est quoi ? C'est où ? Là, je signe ? Oui. Je mettrai la date, c'est pas grave. Voilà. Vous en gardez un pour vous. Hein. Okay.